J'ai fini Undertale, il est run pacifiste et franchement j'ai adoré. Merci pour la découverte, Ken. Bah, content que ça t'ait plu, Amy Fujiwara. Salut Abnormalone. Yop, MLPIC Night. Crane, c'est quoi la marque de ton siège? J'ai pris un décresseur pour Noël, j'espère que ce sera bien. Bah, c'est ce que j'ai aussi. Mais voilà. Par exemple, pendant le déménagement, hein, il y a toujours un truc que tu perds. Et bah là, j'ai perdu le truc pour la tête. Mais bon, je l'ai perdu dans la voiture de mon pote, je pense. Donc je le récupère. Je n'aime pas la 3D car je porte des lunettes et il faut mettre encore des lunettes par-dessus. Moi, je porte pas de lunettes, j'ai des lentilles. Mais vu que j'ai une astigmatisme. J'ai pas de. Attends. Ah! De l'autre côté, on va relever légèrement. Ouh, j'ai des accoudoirs. Oh, ça fait du bien. Et. J'ai pas dit de te baisser, j'ai dit de rester en haut. Encore un peu? Encore un peu? Non, on va dire que c'est bien comme ça. Et vu que j'ai une légère astigmatie en plus de ma myopie sur seulement un des deux yeux, j'ai du mal à faire le. Comment ça s'appelle? À bien ce que les images se mélangent quand je regarde un casque 3D, j'ai le même problème avec l'Oculus. Donc voilà. Tu peux pourquoi je disais ça, mais d'accord. Tu sais que si tu ne mets pas les lunettes 3D, tu ne vois pas la 3D. Crane, j'ai une idée, tu vas à la séance privée et tu te filmes, d'accord, ok. Comme Chia le Boeuf. Salut, je débarque, désolé, je ne sais pas ce qu'il se passe, il est où Crane là et pourquoi? Eh bien Crane, il n'a plus d'appartement pour le moment car il y a eu un petit sinistre. Moi, je me lève à 5h, mais Crane, le beau Crane, je ne peux pas me résoudre à fermer le live. Va me coucher, va te coucher, hamster, je serai là bientôt, je ne sais pas quand. Le HD25 a une grosse dynamique et peut claquer très fort, c'est pas neutre analytique non plus. Oui, voilà, non mais moi je suis pas un spécialiste. Voilà, mais tu as raison de me reprendre par contre. Bon, j'ai une dure journée demain, bon courage à toi, Cheyenne. Tellement de potentiel avec Mako, 100 MB d'upload et je ne stream même pas. La tristesse finit à elle. Non, là, il y a 5 mégas, 4,4 mégas en upload. Donc, c'est de la fibre. Il y a 80, elle a 94 mégas en download et 4,4 mégas en upload, je crois. Ah là là, Eline. Et Crane, tu peux aller au ciné et venir après nous spoiler le film. Crane, tu me donnes envie. Avec ta bière, je vais ouvrir une crique. Bonsoir Crane Live, tu nous fais un live pour la bêta de Black Desert demain? Absolument pas. C'est con parce que du coup j'ai une vraie connexion, j'aurais pu. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Est-ce que tu interdis de parler trop fort comme tu n'es pas chez toi? Du moins c'est mon impression. Non, c'est parce que j'ai le casque, donc elle m'a pas dit que je parlais trop fort pour le moment. Donc j'espère que ça ira parce que si je dois me limiter, on est mal. Crane, tu as activé les pubs, je viens d'en avoir une en reloadant la page. Je n'ai jamais activé de pub, juste j'en passe pas moi. Mais il y a Twitch qui passe des pubs tout seul, hein. Ils n'ont pas besoin de moi pour passer des pubs. Hein. Heureusement, celles qui sont passées comme ça comment ça s'appelle, me soutiennent directement. Mais c'est juste les pubs auto quand vous lancez ou vous faites un refresh. Crane, as-tu essayé le casque Bose avec réduction active de bruit? C'est juste complètement dingue, tu as l'impression d'être sous l'eau. Sinon, à essayer. Non, jamais testé, mais Bose ont des petits soucis, je trouve, au niveau des basses. Il y a trop de basses dans les casques Bose. Salut Aditi. Bon, j'espère que ça va aller pour tes problèmes, Crane. Toujours dans l'ombre. Comment ça, toujours dans l'ombre? Bonne nuit, Pomona. Bonne nuit, Evelnia. Crane, qu'est-ce que tu as pensé de la saison 2 de Leftovers? Tu as regardé, j'en suis à l'épisode 8, je crois, et je trouve ça extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. C'est une torture à regarder. Le principe. Les certaines ambiances, tout ça, sont vraiment très bonnes, mais scénaristiquement, il y a des grosses, grosses bourdes, mais vraiment des bourdes énormes. Et ça me bloque complètement. Je trouve qu'ils ont. Pour moi, ils ont tué la qualité de la série à cause de ces bourdes-là. Je vais pas les dire pour pas spoiler, mais voilà, c'est. La réaction des personnages en devient illogique et absolument pas justifiée, et moi, ça m'embête. L'avoir mal rasé, bah oui. Oh, c'est ça que j'ai oublié. Oh, j'ai oublié mon. Bon, je serai encore mal rasé demain. Tant pis. Salut i7b. Attends, tu as sorti Black Desert ou Blade and Soul? Non, j'ai testé les deux déjà. Black Desert, c'est vrai que j'aimerais bien en faire un petit peu, mais j'aime pas trop l'évolution du jeu en Corée, donc bon, ça m'encourage pas beaucoup. Salut Separo. Moi, je bois pas de bière, je bois des monsters, nous dit Dada. Oh non, moi j'ai déjà du mal à dormir. Si tu me fais boire des trucs comme ça, on est mal, quoi. Bye, Holy Magics. Là-bas, c'est la vie. Non. Salut, attends. J'ai pas eu le temps de venir. C'est quoi les soucis? Bah, mon appartement,
a décidé qu'on ne passerait pas les fêtes ensemble. C'est ça, il m'a dit ça peut plus marcher entre nous, va-t'en, j'ai besoin de réfléchir. C'est ce qu'il m'a dit. Pourtant, moi, je lui ai témoigné de l'amour en continu. Toutes les nuits, j'étais là. J'étais là pour lui. Je me donnais à 200%. Je passais ma vie. C'est peut-être ça le problème. On était trop l'un sur l'autre. Peut-être qu'on était trop l'un sur l'autre, puis il en a eu marre de moi. Je vois pas d'autre explication. Donc tant pis, hein, je vais partir un petit peu, puis j'espère qu'il voudra bientôt de moi de nouveau. On verra. Salut Jaonet. Salut Olympie. Tu attestes Devilian ? Oui, le jeu est fabuleux. Oh pardon, non, je me suis endormi en repensant au début de Devilian. J'ai raté ce qui s'est passé l'autre jour, Crane a eu un... Oui, je viens d'expliquer. Salut Glenn Leçon. Tu streams depuis l'hôtel ? Non, je suis hébergé chez une amie. Petit jeu narratif en anglais, style The Stanley Parable. Il s'appelle Dr. Langusco. Oui, je l'ai déjà pris et je veux le streamer, je veux le faire avec vous. Mais j'ai pas envie de le faire à une heure perdue. Ce sera probablement en début de live, après la phase de blabla. Comme ça, un maximum de gens verront le jeu et on le fera ensemble. Peut-être mercredi, peut-être jeudi, à voir. J'ai joué à Devilian sur Steam Crane. Franchement, il est excellent. C'est un MMO hack and slash. Ouais, d'accord. Non, les donjons sont sympas, mais le début du jeu est absolument inintéressant. Il n'y a aucun challenge, tu fais que aller d'un point A à un point B, tu peux y aller automatiquement. C'est... Voilà, je suis extrêmement déçu du début du jeu, mais une fois que tu commences à aller dans les donjons, c'est plus intéressant. Pour une fois que je bois une infusion pendant ton live, Crane, toi tu bois pas de thé, t'as pas honte. Non, j'ai pas honte, là. Là, je t'avoue, j'ai pas honte. Crane, tu ronflais peut-être trop pour ton appart. Peut-être, oui. Crane, ton appart pleure, l'oignon volé, peut-être, c'est peut-être ça. Oui, mais Crane, tu témoignes que de l'amour platonique, il voulait sûrement plus. Peut-être, peut-être. Tu déménages bientôt, de toute façon. Non, je sais bientôt si je peux déménager. C'est différent. Et où je peux déménager, en fait, surtout. Crane, il a su que tu allais passer la nuit chez Bob, il se sent trahi. Voilà. Le fait que je sache où je vais déménager va dépendre de choses qui vont se passer début janvier. Toujours là pour son appart et en plus sans pantalon, tant de dévouement de la part de Crane, mais oui. Au moment où Crane n'a même pas une minute de retard, la vitesse de rattrapage de cet homme, pire qu'une IA de Mario Kart. J'ai pas fait une attaque fast-forward de la soirée et pourtant j'ai eu à des moments 6 minutes de retard. Donc vous devez vous rendre compte de l'acharnement, de l'implication que j'ai réellement et voilà, du talent. C'est important le talent, il faut avoir du talent, voilà, il y a des gens qui naissent avec, d'autres non. Moi je suis capable de rattraper un chat dans toutes les conditions, ou pas. Bref, salut Ariels. L'appartement de Crane qui a essayé de voir s'il pouvait faire l'éponge et ça marche pas. Crane, as-tu déjà essayé Phantasy Star Online 2? Alors j'ai joué au 1 et je sais plus si j'ai joué au 2. Mais c'est juste ton appart, Crane, ou tes voisins aussi ont des problèmes? Bon, ils me disent qu'ils ont pas trop de problèmes, mais je sais pas. Mais en fait, c'est une pièce où il y a un faux plafond, donc il y a 2 mètres et quelques. Mon plafond normal de ma grande pièce est à 3 mètres et quelques. Et je pense que c'est tout entre le faux plafond et le grand plafond. Et oui, j'ai un pantalon rouge en noir, exceptionnellement. Alors Crane, on fait quoi ce soir? Bah, je stream pour vous dire que je suis en vie. Ça suffit, c'est déjà bien. Crane, d'après Maudit, toi et les dindons, vous créez du mana. Va falloir m'expliquer, Yidicien, quand même. Va falloir m'expliquer. Crane, moi j'aime bien la course auto car je suis fainéant. La course auto, oui d'accord, ok, je viens de comprendre. J'ai oublié. Crane, tu t'es refait tous les Star Wars avant d'aller voir le 7, j'ai plus que le 6 à me refaire. Je me les suis refait il y a moins de 6 mois, c'est sûr. J'ai regardé le 1... attends. J'ai regardé dans quel ordre? J'ai regardé le 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et quand j'avais fini, j'ai re-regardé le 4 et je l'ai regardé en version despecialized. J'avais jamais vu la version despecialized. Elle est assez chiante à trouver sur le net. Mais c'est la version la plus fidèle possible à la version sortie en 70... quelque chose, 17, je ne sais plus, 15. Bref, c'est la version la plus fidèle possible à celle sortie par Lucas à l'origine, parce qu'il faut savoir qu'il a énormément modifié, qu'il a gardé les masters, qu'il n'a pas voulu les donner en disant oui, donc je ne vous les donnerai pas. Star Wars a été nommé au Panthéon du cinéma américain, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ils ont demandé la copie, et il leur a envoyé la version édition spéciale. Et ils lui ont dit, non, c'est la version originale qui a été nommée au Panthéon, merci de nous envoyer l'original et pas la version spéciale, et il n'a pas voulu leur envoyer l'original, j'aime pas Lucas. Et il faut savoir que, par exemple, la version originale a été primée, a eu des Oscars, par exemple, pour les effets sonores, pour plein de choses comme ça, et il a refait les effets sonores derrière, donc c'est toujours un petit peu embêtant, même si j'aime bien la version l'édition spéciale,
c'est un petit peu embêtant de se dire on refait quelque chose qui a reçu des Oscars. Du coup, j'ai regardé cette version des Specialized et c'était extrêmement bien. C'est extrêmement bien. Pour moi, il n'y a pas une version meilleure que l'autre. Hein. C'est, les deux sont vraiment très très intéressantes. Hein. Et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont rajoutées et vous comprenez pas pourquoi. Voilà. Pour la petite histoire. Alors ça va pas trop chambouler un petit peu Despotic Girl, mais ça va. Salut à toi. Yup, Siraya. C'est une telle torture, Ken, quand tu parles de ton déménagement sans vraiment nous dire pour nous en dire plus à chaque fois. Non mais j'ai tellement hâte que vous voyez. C'est quoi ta playlist, Crane? Et tu as Aube du Chaos qui direct derrière te met la playlist, c'est magnifique. C'est magnifique, Aube du Chaos, temps de réaction instantané. Voilà. Un humain qui fait mieux qu'un ordinateur. Vous vous en rendez compte quoi, c'est pas rien. As-tu pu jouer à la dernière update de Warframe? Non. Rien que pour la nouvelle feature, spoiler et l'histoire, ça vaut le coup. 77, c'est bien ça. Non mais après je m'en fous, hein. Moi je me rappelle pas d'une date, je suis pas traumatisé. Hein. Penses-tu aller voir le film Deadpool? Moi j'ai des problèmes avec le cinéma, moi je trouve ça cher, j'aime pas trop l'image en général, on n'est pas bien installé, il y a des gens qui font du bruit de partout. Je sais pas, j'ai très très envie de voir le film Deadpool, mais est-ce que j'ai envie d'aller au cinéma? Voilà. Crane, tu vas te déménager pour devenir proprio. Non. Et alors autant ma boîte a un peu de sous, autant sur mon compte en banque doit y avoir 300 euros à tout casser. Donc non, je ne vais pas déménager pour devenir proprio. Train tank dans ta version, un seul à tirer, ça va. Un shot first. J'ai pas peur de tir, Lucas est un sacré con. C'est pas faux. Salut à David Canard. Oui, ça va, jeu de morale, vous n'avez pas le choix de toute façon. Ah, juste un peu les boules pour un truc, mais voire beaucoup les boules pour un truc, mais c'est pas tout de suite. Ça se trouve, j'ai récupéré mon appart avant le 1er janvier, donc on verra. T'inquiète pas, Crane, on est tout aussi pressé. De quoi? Oui, il faut que j'y aille. Bon courage. Merci, Pilouli. Crane, tu savais que Lucas avait fait un discours au Sénat US contre la colo des films noirs et blancs? Oh, est-ce que ça m'étonne? Je sais pas. Il a fait... qu'est-ce qu'il a fait avec en noir et blanc? Nous avons Elgeek qui se rabonne pour la troisième fois, 3 mois de soutien. Grand merci à toi, Elgeek. C'est très, très gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci beaucoup de renouveler ton soutien. C'est très, très gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si je dis pas de bêtises, il a fait un film où il jouait beaucoup sur les couleurs noir et blanc. C'est pas THX 1137? Non, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il était... il était pas en noir et blanc ce film? Je sais plus. Pas inintéressant. Il aurait pu avoir du talent. Hein. Bref. Nouvel appart? Non, je squatte chez quelqu'un. Salut Raven Night 13. Entre Aube du Chaos et Hagen, Crane est vachement bien entouré. Mais il y en a un troisième que vous voyez beaucoup moins parler, mais qui est tout aussi présent, qui est présent depuis le début et qui est souvent le modo qui est présent la nuit. C'est le modo de l'ombre, c'est Cabal. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, ta présence me suffit, Crane. Rare sont les streamers qui prennent le temps de répondre aux questions. Alors moi, c'est ce que je préfère, j'aime bien discuter avec vous. Donc voilà. Tu peux tenter le dindon manoir. Salut Matt Pierrot. Crane, c'est dans la tête à maudit. Il fallait voir la chose en direct pour ne serait-ce comprendre que le quart de ce qu'elle a raconté, c'était en lien avec ses cours. C'est très intéressant, mais compliqué. Ah ah! D'accord. Tu as prévu d'héberger Massmonde pour le 1er janvier. Non, pas Massmonde. Salut Tom. Mais c'est vrai qu'il est possible que j'avais prévu d'héberger. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi ça m'embête. Allez, les dindons, Crane et tout le monde, c'est pas que je bosse dans 7 heures, mais presque. Bah, bon courage à toi, Shotman. C'est gentil, Elgeek. THX 138, j'y étais presque avec le 137. Vous avez vu, moi, et les chiffres, hein. Cher dindon, n'oublions pas non plus, faisons tous des bisous aux modos qui, depuis hier, ont fait du très bon boulot. Stream, info, détente, soutien. Tu les as bien choisis, Crane, c'est de la bonne team. Mais je les ai pas choisis, hein. C'est comme le dindon, hein. Ils me sont tombés dessus par hasard, hein, parce que j'ai aucune idée de pourquoi ils sont modos, en fait. C'est au début, j'ai dû demander qui veut être modo. Oh, moi je veux bien, moi aussi. Bon bah voilà, et je suis tombé sur les meilleurs modos de la Terre. Voilà. Crane, Lucas a eu de bonnes idées, mais c'est un très mauvais réal. Tous les acteurs le sous-entendent quand il parle de sa façon de diriger. Puis il a l'air assez fermé en plus, et ça c'est embêtant. Ah, c'est cassé? Non. Mon
chat est cassé. Ah, il est cassé. Si je clique sur More Message Below, ah non, c'est mort. Est-ce que j'ai toujours ma connexion? Oui. Ah, c'est revenu. C'est revenu, c'est magnifique. Bon, sur ce, je vais dormir. Attends. Mais non, attends, j'ai fait... Je sais plus où je suis. Je sais plus où je suis. Salut Duncan Wolf. Oui, non, ça, j'ai déjà fait, en fait. Non, j'avais déjà fait. Bon, je suis bon. On va dire que je suis bon. C'est parfait. C'est parfait. J'ai pas dit, moi, je veux être modo, par contre. Oh, si. Tu m'as harcelé, quoi. T'es jusqu'à chez moi. Tu dormais devant chez moi, devant ma fenêtre, en pleurant. Non, j'ai craqué, moi, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, j'ai totalement craqué. Gloire au modo, c'est ça. Non, Agathe m'a vraiment beaucoup conseillé, beaucoup aidé. Tu as trop peu de retard, Crane, c'est pour ça que le chat casse, c'est ça, bon bah voilà, on est bien. Crane voulait me ban et il s'est trompé, ça va être ça. Ouais. Et nous avons Alizia Karina qui rejoint la Glow Family, bienvenue à toi, bienvenue dans la confrérie du dindon, un grand merci du soutien, j'espère que tu te plairas parmi nous, merci beaucoup. Tu es sur quelle musique de la playlist? Je suis sur la 146, pardon. Donkey Kong Country, Fear Factory, et j'en suis à 2 minutes 15. Bonus et Betcha. Crane, je n'étais pas là depuis hier, as-tu vu le stream de Maillard? Non, je ne l'ai pas vu. Non, je streamais pendant ce moment-là. Et je crois pas qu'il ait mis la rediff, et de toute façon j'étais un petit peu occupé aujourd'hui. Un tout petit peu entre aujourd'hui et hier, j'étais un tout petit peu occupé. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Crane, j'ai pas le moral ce soir, tu as une blague pour nous. Non mais oh, c'est moi qui dois remonter le moral. Non mais t'as vu tout ça? Me demande pas en plus de devoir te remonter le moral, quoi. On est ensemble, est-ce que ça suffit pas, juste passer un petit moment ensemble pour te remonter le moral? Moi ça aide bien déjà. Crane Live, il a une bière au moins, et oui. Toi le petit moustique, hein, je te vois. Tu sais que je vais pas te tuer parce que je tue pas les moustiques. Mais donc, du coup, tu peux me piquer, mais tu fais un endroit où je le sens pas et que ça gratte pas après et que ça gonfle pas. Après, je partage mon sang, je suis gentil, mais voilà. Et niveau emote, bien que je sois mal placé pour le dire, tu as des idées, Crane. Faudra que je m'en occupe un jour. Hein. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genre, on en a que 8. Non, là, pas que 8. Là, c'est la fenêtre qui déconne. Non, c'est la fenêtre qui déconne. Attends, il manque quoi? Je sais pas. On en a combien des emotes? J'en vois que 8, là, dans ma... Attends. Non, j'en sais rien. C'est bloqué. C'est cassé. Ok, c'est tout cassé. Non, mais il se passe quoi sur... C'est quoi ton problème? Attends, on va faire Glory. Ok, c'est bon. Quel type de désat si ce n'est pas indiscret? Bon, on sait pas. Il y a de l'eau qui coule du plafond, qui coule des murs. Une fissure. Sur la fin. Ouais. Il y a un truc qui courait sur le mur, je sais pas ce que c'était. On en a 9. Mais elle est où le 9ème? On a 9 sur 15. On pourrait faire 6 icônes en plus. Je n'étais pas sûr qu'on en avait plus de 10, mais bon, j'ai rêvé. La tolérance du moustique. Non, moi je tue pas quelque chose juste parce que ça fait bzzz et que c'est désagréable. Je vais pas prendre une vie juste parce qu'il y a un truc qui me fait bzzz. Voilà. Yop Xenead. Je reconnais que la Crane, tu m'impressionnes, je l'aurais buté à la seconde, le moustique respect. Bah non, c'est une vie quoi. C'est une vie. Yop Stern. Crane donne son foie. Oh, c'est pas une bonne idée. Oh non, je bois quasiment jamais. J'espère que tu as bien mon foie. J'espère. Salut Crane, mon Crane adoré. Salut Nyanyan de Chorus. Cela fait si longtemps que je ne t'ai plus vu. Première chose que je remarque, t'as changé de pièce ou de maison, j'ai bon. Alors c'est tout récent, ça date d'aujourd'hui. J'ai eu un sinistre dans mon appartement et du coup, bah, une amie m'héberge. Fais une emote avec un pantalon barré. C'est une très bonne idée, VHD Prod. Très très bonne idée. Est-ce que ça va être... On va réussir à reconnaître ça en tout petit. C'est une très très bonne idée. Alors il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait envoyé une emote de Poudi Poudi. C'était une bonne idée aussi, mais il était trop basique, je sais pas, il me manquait quelque chose.
Un moustique est plus meurtrier qu'un lion et qu'un requin réunis, fais gaffe. C'est vrai que ça véhicule énormément de maladies, mais bon. Il est tellement gentil qu'il laisse un moustique pour qu'il se nourrisse. Une emote Grunlek, non, ça, on n'arriverait pas à la reconnaître, je pense. Peut-être une tête de Grunlek. À voir. Oui, mais on serait obligé de l'appeler Glue quelque chose. Glue Grunlek. Une emote Eden. Boutique d'organes de crâne, venez, donne son sang aussi, même au moustique. Ne pas oublier, quand, sans que tout ceci ne serait pas arrivé, vous les gens, donc merci d'être là depuis des mois, que dis-je des années, que certains avec Crane et la communauté, big up à vous qui êtes les meilleurs des meilleurs. Voilà, Hagen qui fait un petit message d'amour. Un poudi glou glou. Un glou poudi. Ce serait glou poudi. Mais je sais pas, il m'a... Il était trop basique, celui qu'on m'a envoyé, mais surtout que je l'ai paumé en fait, je sais plus ce que j'en ai fait, je sais plus où il est. Non, j'ai pas ma carte de donneur de sang. Bah, vu que j'ai quelques problèmes de santé, je sais pas si j'ai vraiment envie de donner mon sang déjà. Peut-être pas un cadeau. Gloonlek. Une emote Peace and Glouglou. Alors, le problème, c'est que vous pouvez avoir plein de bonnes idées d'emotes. Le problème, c'est de réussir à faire quelque chose qui ait un look sympa en tout petit. Qui a un look sympa quand. Comment ça s'appelle? Une fois que c'est dans la taille, dans les trois résolutions tolérées par Twitch. Tu fais le Gloofist Crane, une emote du poing métallique de Grunlek. Un Gloofist. Moi, ça me fait peur, un Gloofist. Hein. Ça me fait extrêmement peur. Ken, je suis entièrement d'accord avec toi pour le moustique. Par contre, quand il me réveille la nuit, je suis plus autant d'accord. Personne, je dis bien personne, n'a le droit de me réveiller. Ça va, Crane, t'es pas trop surchargé en ce moment? Bah. Disons que j'ai des obligations. Voilà. Il y a des trucs qui tombent et t'as pas le choix. Voilà. Alors, vous avez trouvé l'idée en janvier, je devais héberger du monde et ça aurait été une surprise pour vous. Et du coup, héberger du monde quand t'as pas de chez toi, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'attends ça depuis longtemps, donc ça m'embête un peu. Oui, c'est bien Golden Sun, c'est Colima Forest. Un Gloofail, est-ce qu'on a, on n'a pas de Gloofail? Non, on n'a pas de Gloofail, on a un Gloorip. Ouais, Gloofail, il faudrait voir. Les emotes doivent être des carrés en 28, 56, 112 pixels. Après, c'est pas forcément des carrés, mais la résolution doit être 28 par 28, 56 par 56, 112 par 112, mais ça peut être découpé autour, ça peut être du... voilà, c'est pas obligatoirement tout carré, quoi. Crane va avoir un chien, non. Vous vous en fouteriez, en vrai. Je vais vous dire, attention, la grosse surprise pour les 600 abonnés, j'ai un chien. Voilà. Bon, ceci dit, je mettrais le chien, ce serait un petit chiot, je ferais comme ça, c'est bon, j'aurais 2000 viewers, quoi. Enfin, non, ça c'est un petit chat, un petit chien, je serais seulement à 1200 viewers. Du coup, pour le live d'aventure de vendredi, ça va aller. Bon, je pense, hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va enregistrer dans ces conditions-là. La musique me fait penser, Crane, tu as déjà fait Golden Sun, c'est une bonne question. Je sais que j'y ai déjà joué, mais je saurais pas te dire si je l'ai fait en entier. Romain Stéphane Bern devait venir chez Crane en janvier, quel dommage. Pourquoi pas une emote d'un dindon comme Grunlek avec l'œil robot? Il a pas d'œil robot, Grunlek, déjà on va se calmer, hein, il a juste un œil crevé. Une emote 99 échec critique, ouais. Tu vas recueillir la petite fille? Bah non, elle est morte. Comment tu veux que je la recueille? Demain je tente de faire quelque chose de cool à vous proposer. Tant que tu peux parler, je vois pas le problème. Bah oui, voilà. Je pense qu'on est plutôt bien installé, tout ça. J'ai de bonnes vibrations pour le live de vendredi aussi. Ah bah tant mieux. Non, arrête, si tu as un chien, tu l'appelles Eden. Il y a de grandes chances que oui. Si j'ai un chien, je vais l'appeler Eden. Un bébé loup, un petit husky. Pour la peine petite blague de merde pour Crane, allez, c'est mon cadeau pour toi. Ok. Il s'est passé quoi dans son appart, c'est pas trop indiscret? Eh bien, d'un seul coup, il y a eu une goutte au plafond, puis deux, puis trois, puis 25. Les gouttes sont commencé à passer par les trucs électriques également. Puis c'était pas que le plafond, c'était les murs. Mais genre pas le plafond qui coule et ça descend le long du mur, non. L'eau qui apparaît au milieu du mur et qui coule le long. Et ça voilà, apparemment, le plombier, c'est ce qui lui a fait le plus flipper. Pour Théo, elle est pas morte. Non, mais Théo, vous le voyez bien, Théo, il est pas... Voilà, Théo, on l'a recueilli à la sortie d'un asile psychiatrique. Faut faire avec, il a pas toute sa tête, mais on l'aime bien quand même. J'ai pas vu ta blague, du coup. Elle est où, ta blague?
Bah tu l'as pas faite, c'est ça ta blague, bah, elle était très très drôle. Très très drôle ta blague, j'ai beaucoup ri. Un live sur les Sims avec pour but l'appart rêvé de Crane. Oh non, ça c'est un truc à se faire du mal ça. Mais c'est pas l'année des E 2015, c'est l'année des K et 2016 des L pour les noms de chiens. On s'en fout. Sérieusement quoi. Bonne nuit Hermis Antus. Je viens seulement de caler que Eden était le nom de mon chat qui a 15 aujourd'hui. Qui a 15 adjectifs, qui a 15... Je ne sais pas ce que tu veux dire. 15... D'accord. 15 ans aujourd'hui, 15... Je sais pas. Bon anniversaire à ton chat. Je ne sais pas. Il y a 3 petits poussins, t'en prends 2, tu fais quoi? Tu fais quoi, Crane? T'en prends 2, tu fais quoi? Mais pourquoi je prends 2 et je laisse un petit poussin tout seul? Pourquoi je fais ça? C'est pas extrêmement gentil. Je veux pas prendre 2 petits poussins et laisser un tout seul tout malheureux. Puis ils ont pas une maman, ces petits poussins? Ça clash en dehors des épisodes d'aventure, mais tellement. Mais tellement. Kéden ou l'Eden. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je fais équipe d'aventure sur les Sims 4, la partie en forme de manette. Quand est-ce que tu as testé Fallout Shelter? Non, j'ai déjà vu le jeu, mais voilà. T'en pousses un, Crane. Ok, Nyanyan de Coréus, merci beaucoup pour ta blague. Merci beaucoup pour ta blague. La petite fille n'est pas morte, Crane. En fait, c'est une sorcière qui s'est changée en esprit et qui a juré de vous porter malchance. Voilà pourquoi vous faites autant d'échecs critiques. Non, mais non, je suis pas d'accord pour qu'elle soit en vie, tout simplement parce que si elle est en vie, Théo va dire « Ah, je vous l'avais dit » et vous légitimisez ses actions. Si on commence à légitimiser les actions de Théo, on est mal barré. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc, vous ne devez jamais penser qu'elle est en vie. Déjà, elle peut pas être en vie. Et voilà, donc l'encouragez pas. Arrêtez. Arrêtez. Peut-être qu'au bout d'un moment, si toute la Terre lui dit « Non, elle est morte », il va peut-être finir par le croire et se remettre en question. Peut-être. Salut Lixilion. Crane, tu l'avais 7h06, GG. Bah, j'ai commencé tard, hein, mais c'était pour vous faire un coucou, quoi. C'est un poltergeist, ton inondation, peut-être. Moi, j'ai aimé la blague encore. La blague se dit, tu as 3 poussins sur une table, comment tu fais pour qu'il n'y en ait que 2? Ben, tant poussin. Ah voilà, mais voilà, il s'est pas raconté aussi, c'est le problème. Je te verrai bien MJ pour la saison prochaine d'aventure, ça te tente pas? Ça me tenterait bien d'être MJ, mais j'ai jamais fait, donc je serais pas forcément à l'aise pour raconter des histoires, faire évoluer des personnages, arriver à encadrer des fortes têtes comme Bob, Fred, voilà. Mais j'ai très très envie de tester. Hein. Tiens, tiens, ton décor a changé. Bah oui, bah oui. Pourquoi il n'y a pas d'elfes? Je trouve qu'il y a un racisme latent sur cette splendide espèce. Ça dépend si c'est une elfe, pourquoi pas un elfe? Non. Ken, je ne te permets pas, c'est comme on l'a vu, un diplomate d'exception. Oui, un diplomate fabuleux. En effet, Théo est un diplomate incroyable. Moi, je suis d'accord avec Théo, il y a des enfants qui tombent de plusieurs étages et qui survivent. Nope, t'as fait beaucoup d'essais. Tu en es à combien? Combien ont survécu sur combien que tu as poussé? Petite blague avant de partir, c'est Garou qui rentre dans un parking et il dit « Oh, je me garou ». Crane, si toute la Terre lui dit qu'elle est morte, il est prêt à tuer tous les terriens pour avoir raison et il pense en être capable, tu sais bien, c'est pas faux. Théo, il fait tout bien comme il faut, c'est le vrai héros de l'histoire. Exactement, bien sûr. Ah oui, ça c'est très très important de lui dire que c'est le héros de l'histoire. Ça aussi, parce que sinon on est mal barré. Sinon on est mal barré, donc oui. Vous pouvez dire Théo est le héros de l'histoire. Bien sûr que t'es le héros, Théo. Mais oui, Théo, tu es le héros. Salut KD Strike. Bonne nuit, Dark Goku. Techniquement parlant, je suis pas sûr que la petite fille soit morte, faudrait tester. Quand même une très très forte probabilité, hein. Je crois également que la fille est morte, mais ça me fait rire à l'entendre à chaque fois. Il serait trop gentil comme MJ en plus, Crane. Ça se trouve, vous verriez... Evil Crane, voilà. Je serais là de dire... Oh, tu fais un test. Ah, t'es tombé. Ah, t'as perdu ton bâton. Ah oui, ton bâton, t'y tenais beaucoup. Hein. C'est con, hein. C'est con, t'as plus ton bâton. Et en plus, tu t'es foulé la cheville. Moi, je pense que tu as perdu 2 points de vie. Voilà. Et tu ne pourras plus t'enfuir si jamais des monstres te courent après. Qu'est-ce que vous faites? Salut The Unusual. Crane pour la MJ, tu demandes des conseils à Maya. Si
Sinon, t'as trois nains dans une mine, le dernier prend une pioche, le second prend une brouette, le premier, il prend quoi, Crane? Non, c'est pas ça, Lionel de Corius. C'est t'as trois nains dans une mine. Le premier prend une pioche, le second prend une brouette, le premier... Et le troisième, il prend quoi? Non, c'est le dernier qui prend une pioche, hein, je sais plus. Non, c'est pas ça. T'as trois nains dans une mine. T'as le dernier qui prend une pioche, t'as le second qui prend une brouette, et qu'est-ce que prend le premier? Non, c'est pas ça. C'est t'as trois nains dans une mine. Bon, pour ceux qui connaissent pas la blague, c'est pourri. T'as un chien et t'en veux deux. T'en chien. Ok, super. Super, faut que vous arrêtiez de faire des blagues. Hein. Déjà, vous, ça vous fatigue. Moi, ça me fout une angoisse. Je vous tuerais, hein, de chagrin, mais... Mon père essaie de devenir MJ, mais c'est extrêmement difficile. Oh, c'est un coup à prendre, puis il faut que tout le monde soit ouvert, aussi bien les joueurs, et que c'est un apprentissage. Crane, s'il y a des elfes, tu vas devoir devenir raciste si tu veux être RP, vu le vécu entre les nains et les elfes. C'est totalement faux, parce que Aventure est un monde créé, donc il n'y a absolument rien qui dit dans cet univers que les nains détestent les elfes. Pourquoi pas un live de JDR avec d'autres joueurs pendant tes lives, Crane, avec toi, MJ. Non, mais peut-être qu'un jour je testerai, hein. Les elfes sont des créatures maléfiques, Crane. Humain power et les nains aussi, ils sont humains aussi. Non, ils sont nains. Ils sont pas humains, ils sont nains. Arrêtez. Crane, Théo a des éclairs de génie sur ton diplomatie. Oui, exactement, Diaskid. Je te conseille les vidéos The End December de Pro Jared, Crane, je ne connais pas. C'est un Schtroumpf, il court, il tombe et il se fait un bleu. C'est une de mes blagues préférées, celle-là et celle des steaks hachés. Là, tu nous prends la tête à pas réussir ta blague. Si Crane devient MJ, il va tellement se venger pour les points de vie perdus gratuitement. Salut, Rondamoon. Avec la voix toute calme du Crane, oui, tu fais un 98, tu te fais éventrer par des sauterelles. Merci d'avoir joué. Je suis d'accord avec Théo, si on tue le bouclier humain, bah ça devient un poids mort pour le méchant. Donc ces trois nains qui vont à la mine, ils prennent un raccourci parce que c'est le plus court. Le premier prend une pelle, le second une pioche, le troisième, qu'est-ce qu'il prend? Ok. Crane, le truc c'est que même Maillard, il commence à douter que la petite fille soit morte, alors que dans les épisodes, juste après le coup de bouclier, il a dit clairement, elle pousse son dernier soupir. Eh oui. Ah mais vous l'avez entendu ça? Je pensais qu'il l'avait dit que... Or... Qu'est-ce qui est jaune et dangereux? Un poudier infesté de requins. Ok, super. Super. Crane, est-il seulement des elfes dans le monde d'aventure? C'est une bonne question. Crane, une petite question en tant que confrère nain. Combien faut-il de nains pour creuser en deux jours un tunnel de 28 mètres du granit? 47? Je sais plus, je me souviens plus. La blague des steaks hachés, Crane? Mais oui. Tu connais pas la blague des steaks hachés? Il faut quelqu'un qui lui raconte la blague des steaks hachés. Bon, moi, je peux pas, je sais pas bien raconter. Qu'est-ce qui est petit mignon qui monte et qui descend? Réponse, un enfant sur les genoux d'un prêtre. Super. Salut Devconic. Qu'as-tu fait en live? Dans ma vie? Je ne sais pas comment prendre ta question. Je suis en train de penser à ça, mais j'ai pas pensé à te donner un autographe que j'ai fait faire par Marcus pour toi. Alors, c'est gentil, mais... Moi, si j'y suis pas, j'ai pas envie d'avoir un autographe de quelqu'un par procuration. Si par exemple, c'est quelqu'un que je pouvais pas aller voir pour une raison X ou Y et je dis, bah tiens, est-ce que tu peux m'avoir un autographe de telle ou telle personne? Pourquoi pas? Mais je pose spécialement envie qu'on arrive en me disant, tiens, je t'ai fait faire un autographe de quelqu'un, voilà. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Oh. T'as déjà écouté les séries audio comme Nullbuck ou Reflet d'Acide ou la 3ème Légion? J'ai écouté quelques épisodes de Nullbuck, oui. Et j'ai dû écouter le premier épisode de Reflet d'Acide aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Survivor? Un truc comme ça? Crane, c'est deux fous qui regardent la Lune. Tu penses que des gens habitent sur la Lune? Ben oui, regarde, elle est toujours allumée. Ah, c'est 42, c'est pas 47. 48? Non, c'est 48, voilà. Crane, la différence entre un tigre et une patate cuite, c'est que la tigre est cruelle, mais la patate cuite... n'est pas cruel. D'accord, moi je t'ai toujours trouvé ces blagues là nulles, parce que je suis désolé des différences entre un tigre et une patate cuite, je peux t'en trouver plein.
Donc c'est nul. C'est quoi la différence entre un tigre et une patate cuite? Maintenant, il y en a plein. Déjà, il y en a un, c'est une patate, l'autre, c'est un tigre. Donc déjà, si tu vois pas la différence entre une patate et un tigre, t'as un problème. À la limite, tu me dirais, c'est quoi le point commun entre une patate et un tigre? Là, je réfléchirais, je me dirais, c'est quoi le point commun entre une patate et un tigre? Mais une différence. C'est vrai, ça, c'est nul. Non, mais voilà. Moi, ça me met hors de moi. Ça me rend dingue. Voilà. Faut arrêter. Qu'est-ce qui est rouge et qui fond dans la bouche? Non, je veux pas savoir. Non, je n'ai pas vu ton live de ce soir. Je parle, j'ai streamé très tard, hein, vers 23h30, minuit, juste pour vous dire, voilà, j'ai installé le setup. On pourra faire des lives bientôt. Créé niveau elfe dans l'aventure, ils sont increvables. Ça fait 10 ans que Bragg est mourant. Mais il est pas un elfe, Bragg. Content d'être passé. Salut à Crène. Yop, Sirayard. Ainsi qu'à tout le monde. Non, au revoir, Sirayard, plutôt. Crène, surtout que le seul elfe qu'on voit au début d'aventure, la druidesse, ses potes avec un nain. A noter que la mort de la druidesse a aussi été causée par Théo. Coïncidence, je ne crois pas. Crène, un schtroumpf tour autour d'un trou. Il dit 33, 33, 33. Un autre schtroumpf arrive et demande qu'est-ce que tu as compté. Comme ça, le premier pousse le deuxième et dit 34, 34, 34. C'est pas très gentil. C'est pas très très gentil pour les schtroumpfs. C'est lui imparfait. Crène, je peux te donner mon autographe si tu veux. Oui, voilà. Crène, quel est le contraire d'un examen? Un exapier. Ok, d'accord. On va arrêter les blagues. Et merci à Cruncher qui rejoint la Glue Family. Je comprends pas pourquoi, hein, vu le niveau de blague. Mais merci à toi pour le soutien, c'est très très gentil. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Un grand merci à toi. Promis, on va pas faire des blagues comme ça trop souvent. C'est une vache qui fait un hold-up que personne ne bouse. Une feuille tombe à l'eau et crie au secours, j'ai papier. Ah, ça j'adore, ça j'adore. Ça j'adore. Sur les blagues chez Crane, les jeux vidéo c'est démodé, mais tellement. Crane, quelle différence y a-t-il entre un footballeur et un handballeur et un... Voilà, non, c'est nul. Crane, moi j'en ai une. C'est un type qui s'appelle Da et il est dépressif, le pauvre. Alors un jour il se... Ok, Crane, c'est quoi la différence entre O et A? Environ 5 cm. Oh, ah! C'est sa soirée carambar. Crane, ton bras mécanique peut-il fusionner avec Eden? Ça serait cool. Bah non, pauvre Eden. Je n'ai pas spécialement envie, quoi. Je pense que le sang de Bragg doit être étudié pour savoir le secret de la vie éternelle. Je pense que c'est une bonne chose, oui. Il y a des gens qui me parlent. Ok, ça marche, les gars. Est-ce que j'ai du drop? Non, j'ai toujours zéro drop. Donc normalement, vous voyez un stream magnifique. Alors attendez, il y a Skype qui me dit c'est l'anniversaire de quelqu'un que je connais pas. Je regarde les messages depuis un an et on s'est jamais parlé. Depuis le début, alors il est dans ma liste depuis le jeudi 15 novembre 2012. Je ne sais pas qui tu es. Je te souhaite un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses pour ta vie. Voilà, nous ne nous sommes jamais parlé. Je l'ai dans ma liste Skype. Bon anniversaire à toi. Voilà. Crane, pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Parce que au minéral. Voilà, très très bien. Bref. Je suis vachement blasé car la seule fois où je vais pas au TGS, ça fait 5 ans que j'y vais, tu y vas. Je suis désolé, imparfait. Désolé pour toi, quoi. Moi, je suis très content d'y être allé. Ah non, mais faut pas faire les blagues en deux fois, par contre, hein, parce que réponse, moi, je sais pas où est ta question, donc je suis perdu, là. C'est un canard qui rentre dans un bar et il dit « Je peux m'asseoir dans un coin. » Je peux m'asseoir dans un coin. J'arrête de lire vos blagues. Non, là, je peux plus, là. Là, je peux plus. Voilà, voilà. Bon, quelle heure il est? Il est 1h34. Je peux pas commencer à jouer à cette heure-ci. Je suis totalement HS à cause de la dure journée. Je voulais juste vous voir pour vous dire ne vous inquiétez pas trop. On trouve des solutions. Je penserai à moi pendant les fêtes de Noël. Vous direz, Crane, il est pas chez lui. Il a même pas de maison. Non, celui la frise, oui. Non, les blagues salaces, tout ça, non. Je dis non. Quel est le point commun entre les petites filles et les... Non. Trop de blagues, je décède, nous dit Cabal. Voilà.
Nopt qui répète les blagues qu'on a lues sur, sur le fil d'Atomium. Elle est mignonne celle-là. Quelque chose de prévu pour la 3.15 de FF14 Peut-être. Peut-être. Salut Catholise. Ça s'est arrangé la fuite d'eau? Bah non. Non, je dois partir de chez moi. Je suis chez une amie. Ouais, au bout du chaos, mais non, non, là, j'ai pas envie de voilà, non. Non. Non, parce qu'il faudrait que je lise les blagues des gens, tout ça, et j'en peux plus. Je suis fatigué moralement. Je suis fatigué moralement, j'en peux plus du tout. Bonne nuit, Rainbow. Point commun entre une voix... Non, mais non, non. J'ai entendu que c'était un café du commerce. Si je peux parler, participer à la conversation. Bah tu peux parler, mais oui, après un café du commerce, je suis pas convaincu. J'ai pas regardé la 2.0 de Star Citizen. Enfin, j'ai lu quelques commentaires, mais il faudrait que je... On pourra peut-être faire du Star Citizen, du coup, vu la connexion que j'ai. Ah, mais j'ai pas mon OTAS, quoi. La seule fois où je peux jouer à Star Citizen, j'ai pas de OTAS. Super, super. Bonne humalo. Allez, c'est bon, toutes les bonnes choses ont une fin, les meilleures blagues comme les moins. Pas vrai, Crane. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Bonne nuit, Bandaru. Ou est-ce que Modi stream encore? Dites-moi si Modi stream encore. Alors. Modi playing Child of Light, apparemment. Ouais, elle est en live. Elle est en live. Ouh, elle nous a mis une petite cravate et tout. Elle est toute classe, Modi. Une mignonne pour une fois, que fait un canard qui a soif? Réponse, il se tape une canette. Pourquoi il se tape? Mais non, c'est pas mignon ça. Pourquoi tu me dis que c'est mignon? C'est pas mignon. C'est pas joli. C'est pas ça mignon. Ça, c'est pas mignon. Oui, Crane le live. Ah ouais, je suis en train de voir. Bah oui, je peux lancer son live là, on s'en fout. J'ai la fibre. Je peux lancer 12 lives en même temps. Quelle importance. Quelle importance. Bon, y'a quelqu'un qui regarde son live en multi-twitch, genre elle gère tout ça, Child of Light, ou elle est en train de subir comme la dernière fois, et elle se fait tout shot. Ouais, on va la host, ouais. Moi je vais aller me reposer, je pense que... J'ai mérité un peu de repos. Alors je pense pas que je vais dormir, hein, mais je vais me poser dans le lit tranquillou. Je t'ai envoyé un message si ça t'intéresse. J'irai voir ça. Je vais aller voir, parce qu'il y a peut-être des messages que j'ai pas vus. On va aller regarder ça. Oui, il y avait le message de, de Warrior Ban, ça j'ai répondu. Ah, mais j'ai plein de messages. Salut Crane, si tu veux faire la bêta de Black Desert Online, je peux te prêter mon compte Gold pour la bêta qui dure du 16 au 22. Comme ça, tu pourrais la montrer en live. Je te donnerai une clé 7 jours pour l'ouverture à sa sortie, si ça te dit aussi. Bah c'est très très gentil, Duke, mais pour l'instant, je sais pas. C'est du 16 au 22, on est le combien? On est le 15. Ce soir, je peux pas streamer. Le mercredi, je sais pas. Donc, ce serait pour mercredi ou 17, ou alors le lundi ou mardi. Ouais, non, t'embête pas, j'ai d'autres choses à streamer pour le moment. Je streamerai à sa sortie, je pense. Je pense que je le streamerai à sa sortie. Ça fait bizarre de voir un live de Crane en 720p 60fps. Faudrait que je fasse en sorte de pouvoir switcher, de vous avoir la webcam en plus grand. Mais je sais pas si c'est vraiment utile que vous me voyez en plus grand. C'est bien comme ça. On n'a pas besoin. Hein. Vous voyez tous les défauts après. Puis il y en a plein. En tout cas, dors bien la prochaine fois si tu y vas. Moi, je vais me coucher et assis. Allez, plus tout le monde. Crane, avant que tu partes, j'aurai droit à une bonne nuit étant donné que j'ai pas eu de bonsoir. Bonne nuit, douce Fairy. Merci les gens qui m'ont dit bonne nuit, paillettes d'amour sur vous, Nuit Pandao. Qu'est-ce que vous avez une idée de raid? Au fait, Crane, vu que t'as une autre connexion, c'est peut-être le moment de faire le LFG sur tes os. Jamais. Oh, jamais. Est-ce que vous avez une idée de phrase de raid pour Modi? J'ai pas de. En 720p, tu en vois tellement. Ah là là. Non, mais on va faire du jeu. Vous allez voir les jeux comme vous les avez jamais vus sur cette chaîne. J'arrive pas à voir son chat. Je n'arrive point à avoir son chat. Ah, j'ai son chat. Je maudis ma fuite.
Pas d'idée de phrase de raid pour Moody. Ah, j'aime bien ça. Ou ceci est une phrase de raid sans aucune imagination. Ah, j'aime bien ça. Ceci est une phrase de raid sans aucune imagination. Elle a 125 personnes, hein. Ça y est, elle commence à nous faire des lives à plus de 100 personnes toute seule. Hein. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. N'oubliez pas, Maudit, rappelez-vous. Rappelez-vous quand dans 2 ans, elle aura 5000 personnes sur Twitch. J'ai déjà oublié qu'est-ce que j'ai dit. Ceci est une phrase de raid sans aucune imagination. C'est ça. Ce raid n'est pas de qualité. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je sais plus ce que j'ai dit. Je suis fatigué. J'en peux plus. Moralement, je suis épuisé. Physiquement, j'en peux plus. Oh, c'est bien quand même, Drakel. Et oui, Crane, elle s'émancipe, la petite Maudie. Ah là là. Bientôt sera la grande Maudie. J'ai dit quoi, ma phrase de raid? Mais répétez-moi ma phrase de raid, je sais plus ce que j'ai dit. C'est le Maudie la fin. Hein? Mais qui sait, Maudie, c'est une amie à Crane, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur le chat de Mulfried. Un raid sans conviction. Ce raid a autant de poids que le plafond de Crane. Pourquoi il va envoyer du lourd, le... Ceci est un raid inutile. Ce raid est d'une qualité insoupçonnée. Ah, ça, c'est mignon. Ce raid est d'une qualité insoupçonnée, j'aime bien. Mais il faut un petit kappa derrière. Fatigué à 7h, Crane, tu deviens vieux. Bah oui, bizarrement. Bizarrement, quand ton plafond s'écroule, que tu passes toute la journée à faire des rendez-vous avec le plombier et qu'en plus, tu déménages une partie de tes affaires en urgence, bah oui, c'est un petit peu fatigant. Ceci est une phrase de raid sans aucune imagination. Moi, j'aime bien. Ceci est une phrase de... Alors, il y avait ça ou l'autre que j'aimais bien. Ce raid est d'une qualité insoupçonnée. J'aime beaucoup ça. Non, j'aime bien parce que voilà. Ce raid est d'une qualité insoupçonnée. J'aime beaucoup. C'est Emi Fujiwara qui... Mais il faudra un petit kappa à la fin. Voilà, parfait, Emi Fujiwara. Ah, c'est pas ça, je me suis trompé. Il me suis trompé. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que ça va fonctionner si je fais ça? Ou peut-être qu'il faut faire... Attends, ah non, 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 j'ai perdu ma phrase. J'ai perdu ma phrase. Ok, ça m'a l'air très très bien ça. Ça m'a l'air très très bien. Allez-y, je compte sur vous. Je compte sur vous. Ah là là, Hope du Chaos qui triche et qui met un glou kappa au lieu d'un kappa. On va mettre le son. Ah non, mais faut que je me soigne encore. Ah là là, elle va mourir en plus. Non, je sais pas. Ah, bienvenue. Oh non, mais non. Pas quand je pète un câble, fallait attendre. Oui, moi, si on commence à attendre, hein, on est mal barré. On est mal barré. Avec un kappa, c'est important le kappa. Bon, allez-vous. J'aime pas les marxistes pour plein de raisons, mais tu te répètes. Ah là là, et puis ça part politique, on est foutu. On est foutu. Vive ma phrase, nous dit Emi Fujiwara. GG à toi. Allez, je coupe son son. Je vais la host, je vous remets le lien pour ceux qui l'ont loupé. Je vous fais les bisous, on se quitte avec une petite danse, j'hoste Maudit, et on se retrouve mercredi soir, vu que ce soir, je vais enregistrer Aventure. Peut-être que je ferai un petit live derrière, ou je sais pas trop quand, mais on trouvera bien un moment pour se voir. Des bisous tout le monde, ciao ciao. Ah non, mais j'ai pas préparé le truc, donc ça sert à rien que je fasse ma phrase de au revoir. Faut que je coupe le son, tout ça. Voilà, hop, y a plus de son. Voilà, maintenant je peux switcher, je peux vous dire au revoir. Voilà. Des bisous tout le monde, ciao ciao. Ça marche pas. Non mais la technique, ça ne va pas du tout. Non, je me suis trompé. Bref, c'est pas grave. Je suis plus là, je suis parti, c'est pas moi qui parle. C'est une émanation, c'est pas ce que c'est.
pas ce que c'est. Aucune idée. Aucune idée. En tout cas, Crane, lui, il est parti se coucher dans la pièce d'à côté. Il ronfle. Insupportable. Insupportable, Crane. Voilà.